Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer l'écran bleu Recovery. Votre PC doit être réparé. Pour cela, nous aurons besoin d'une clé USB Windows 10. On va la brancher. Donc, on va aller dans l'UEFI et dans les boots, on va choisir. Donc là, il voit ma clé USB. Donc cette clé USB, je l'ai faite. J'ai une vidéo qui explique comment faire la clé USB Windows 10. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc une fois qu'on a dans l'UEFI, on a choisi donc de démarrer sur la clé. On valide avec un F10, on fait entrer. Donc là, on est sur la clé. On fait suivant et là on va choisir ici réparer l'ordinateur. Donc on va déjà faire dépannage au milieu, outils de redémarrage système. On va commencer tout simplement par essayer une réparation automatique. Donc là, il nous met que la réparation automatique n'a pas pu être faite. Donc on va aller dans les options avancées. Dépannage. On va sur invite de commande. On va taper boot rec espace slash rebuild. BCD. On va appuyer sur la touche entrée. Donc là, en fait, il voit, je sais pas si on le voit à l'écran, donc il voit mon installation de Windows. Donc il me demande d'ajouter l'installation à la liste de démarrage. Donc on va faire oui. Entrée. Il me met que l'opération a réussi. On va tenter de redémarrer. Donc on va déconnecter la clé. Je vais déconnecter un peu tard. Et voilà. Donc avec cette commande rebuild BCD, on a donc débloqué notre démarrage de Windows. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!